du matin. Oh, alléluia, oh, Seigneur, étoile brillante, soleil vivant, étoile du matin. Oh, mi madame kilio, sokali moi sinaye, tata ma problème. Aboya moi sinaye, mi madame kilio yo. Sokali ngi mwasi na ye Natangwa maladi Abwaka mwasi Oh, alléluia oh. Seigneur, l'étoile brillante Soleil vivant L'étoile du matin Oh, alléluia oh. Seigneur, l'étoile brillante Soleil vivant L'étoile du matin. Oh, nano na monate. Oh, bala boye yesue. Oh, la wisinga yo. Oh, la wisinga yo. Ay, nano na monate. Oh, bala boye zambe. Ah, la wisinga yo. Kole kamasanga. Oh, alleluia. Oh, Seigneur. Oh, étoile brillante, soleil vivant, l'étoile du matin. Oh, alléluia, Seigneur, étoile brillante, soleil vivant, l'étoile du matin. Je prends la version lingala. Oh, Seigneur, mon zoto ya dongo, moye kongenga. Nakatia molili Oh Seigneur Monzoto ya dongo Moye kongara Nakatia molili Oh Alleluia Oh Seigneur Monzoto ya dongo Moye kongara Nakatia molili Alleluia Oh Seigneur Monzoto ya dongo Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia, il est merveilleux. On va lire Kotanga. Prenons Apocalypse chapitre 12. On va nous lire le verset 12. Kotanga le biso nzela moke azom na mibale. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi réjouissez-vous. Cieux, makolo, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. On va prendre 1 Timothée chapitre 6. Nous avons regardé la Timothée à Diboso. Nous avons chapitre à Motoba. 6, 12, nous disons de Jésus. Amen. Combat le bon combat de la foi. Bunda bituma malamu ya kondima. Saisis la vie éternelle. Et simba bomo ya seko. À laquelle tu as été appelé. Oapi obianga makina yango. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Pe nanzana nango dosaki litatoli malamu liboso ba nzengeleke ebele. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9. Soyez sobre. Umiboya. Veillez. Bosengela. Votre adversaire le diable. Wete munguna bino zabolo. Rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Prenons Josué chapitre 1 verset 7. Commençons par le verset 2 et le verset
7. Josué 7, 2 à 7. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï. Il est près de Beth Aven. À l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Aï. Ils revinrent auprès de Josué et ils dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. Deux ou trois mille hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils leur poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim. Et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et il se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur l'Éternel, oh Kolo Seko, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Verset 10 et continue à 12. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils rester résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Ça va. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture des Écritures. Amen. 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 Voilà, nous continuons avec la marche. Zokoba na botamboli. La marche avec le Seigneur Jésus. Botamboli longo na kolo Yesu. Dans cette partie que nous voulons parler ce soir,
Je crois que les bien-aimés ont beaucoup glané sur tout ce que nous venons de dire et tout ce qu'ils ont dit. Sur la réalité, sur le combat spirituel. Oh, nous avons dit hier et avant-hier que le combat se situe à deux niveaux. Puisque ici, nous voyons la bête qui utilise la tête et la queue. Nous avons dit que la tête, c'est le pouvoir politique. Le pouvoir politique, c'est ce qui gouverne le monde ici, le monde entier. Il y a des rois, il y a des présidents du monde, tous ceux qui gouvernent. Et ils constituent le pouvoir politique. C'est ceux qui dominent sur le peuple. Et nous voyons aussi le pouvoir religieux. Le pouvoir religieux, on voit les serviteurs de Dieu soi-disant. Puisqu'il y a les vrais serviteurs de Dieu, et il y a aussi les faux serviteurs de Dieu. Et qui peut le voir si ce n'est que celui que Dieu a ouvert l'œil? Quand je dis ouvert l'œil ici, c'est celui à qui Dieu a donné la connaissance. La parole. Est-ce que vous comprenez? C'est que celui qui a la parole, c'est celui qui a les yeux pour voir, pour bien identifier que celui-ci est de Dieu ou il n'est pas de Dieu. Puisque l'Écriture nous dit, dans Timothée, l'apôtre Paul dit cela, que dans les derniers jours, ils s'élèveront des lourds ravisseurs, c'est-à-dire des faux serviteurs, des faux prophètes qui égareront le peuple de Dieu. Puisque nous avons vu aussi dans la marche d'Israël, dans les déserts, il s'est levé aussi un faux prophète. Mais sa mission, c'était quoi? Afin que le peuple d'Israël puisse se prostituer. Ça veut dire que il voulait que le peuple puisse se dérouter de la voix du Seigneur afin que l'ennemi puisse la voir. Puisque dans ce monde ici, frère, moi je te dis ceci: Dieu a dit que je vous ai laissé dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est qu'un enfant de Dieu, quand il marche, il doit savoir que moi je suis ici dans ce monde quand je vis ici, mais en réalité je ne suis pas de ce monde. Amen. Puisque le Seigneur l'a confirmé, c'est Jésus qui l'a dit. Lui, notre Père, il nous a laissé dans ce monde. Il a dit que je vous ai laissé comme des brebis parmi les loups. Ah, vous savez les brebis parmi les loups, c'est qu'ils sont en danger. Puisque les loups sont là, ils sont prêts tout simplement pour attaquer les brebis. Oh, quand je parle du loup ici, je vois l'ennemi, le diable. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire un enfant de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit que pour être rassuré que tu peux vaincre dans les combats, la première des choses, c'est quoi, frère? C'est être en ordre avec ton Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si c'est un enfant de Dieu, quand il marche, il doit d'abord s'examiner par rapport à l'évangile qu'il écoute. Que dit la parole? Puisque la parole nous montre le chemin du Seigneur. Tu dois comprendre une chose, mon frère, ma soeur. Et en quittant le monde, venant dans la parole, tu y as laissé tous ces gens-là. Tous ceux que tu étais avec eux. La
famille dont tu étais avec eux, tu es venu dans le Seigneur, c'est que tu y as abandonné les histoires. Et ces histoires que tu y as abandonnées, si toi tu n'es pas prudent, ça peut aussi te poursuivre. Puisque nous avons vu Israël, quand il est sorti de l'Égypte, Israël vivait en Égypte, mais en réalité il n'était pas des Égyptiens. C'est pourquoi je te dis aussi que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et sache une chose, frère. Quand Israël est sorti de l'Égypte, mais Pharaon ne pouvait pas les laisser partir librement. Pharaon les a laissés partir, mais c'était par pression que Pharaon les a laissés partir. C'est par la main puissante du Seigneur que Pharaon a fait laisser Israël. Oh, nous avons vu ceci, que Pharaon a résisté pendant que Moïse faisait des navettes sur lui pour lui dire de laisser partir le peuple de l'Éternel. Pharaon ne voulait pas. À maintes reprises, mais il a fallu une prise terrible qui puisse ordonner à Pharaon d'abandonner le peuple. Oh, qu'est-ce qui s'est fait? C'est la mort de tout premier-né en Égypte. Commencé par l'enfant de Pharaon, le premier-né de Pharaon, jusqu'au dernier peuple. Ça, c'était la dernière prise. Est-ce que vous comprenez? Oh, pour que Israël puisse partir, c'est qu'il a fallu aussi que les premiers-nés puissent mourir aussi. Oh, quand je parle de premier-nés ici, c'est l'agneau pascal qui devrait mourir. Oh, l'agneau pascal, c'était l'ombre du véritable agneau qui devrait nous libérer. Est-ce que vous comprenez? Oh, le véritable agneau pascal, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Puisque l'agneau qu'on devait prendre pour immoler devait être sans tâche, sans défaut. Et quand on prenait le sang de l'agneau, on devait le mettre sur le linteau, sur le poteau. Et quand l'ange exterminateur devait passer, voyant le sang, ça devait partir outre, afin d'aller attaquer le peuple d'Égypte. L'agneau pascal a libéré le peuple. Oh, l'agneau pascal, c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est l'agneau sans tache. Est-ce que vous comprenez? C'est que Jésus était l'agneau sans tache, sans défaut, c'est-à-dire sans péché. C'est le sang de Jésus qui devrait inaugurer l'alliance. C'est que l'alliance que nous sommes aujourd'hui, l'agneau véritable, Jésus-Christ, c'est lui qui est venu comme étant le libérateur. C'est par son sang et nous avons la liberté aujourd'hui, frère. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, toi qui es venu aussi dans ce chemin ici, sache que il y a un chemin à marcher. Et le chemin que tu dois marcher, c'est l'évangile. C'est pourquoi je vous ai dit que celui qui marche dans l'évangile, il est habillé du soleil qui est le Seigneur Jésus. C'est qu'il est habillé de la parole. Moi, si voilà tes lambas mobiles. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et la main est sa chemise au thé que vous aurez moité. Et la main est solo na solo besande liloba ensemble. Amen. C'est que nous devons nous revêtir de Christ Jésus, la parole, afin que quand nous marchons, nous n'avons pas de problème avec l'ennemi. Comprenez une chose, que dans les combats spirituels, l'ennemi est toujours prêt. En abandonnant le monde, ne passe pas que l'ennemi peut te laisser librement vaguer comme ça. Non. L'ennemi te cherche dans des pièges. Il y a plusieurs pièges que l'ennemi tendre. C'est pourquoi nous avons vu aussi dans les temps de Daniel. Daniel, quand il était à Babylone, l'ennemi aussi avait préparé des pièges. Les pièges, c'était quoi? C'était les lois qu'on avait façonnées. Donc on devait adorer que la statue du roi. C'était un piège. Mais comme lui aussi ne pouvait pas adorer la statue du roi, on devrait la
attrapé. Mais comme Daniel, lui craignait Dieu. Il était dans la face du Seigneur. Le Seigneur devait que le protéger. Et si vous comprenez ici, c'est que la sécurité d'un enfant de Dieu, c'est quand il marche dans la parole du Seigneur. C'est pourquoi je vous ai préparé, frère, pour te dire que un enfant de Dieu est celui qui est en sécurité. Pourquoi? Puisque la parole le protège. C'est que la parole qui nous protège, c'est ça l'époux. Amen. Amen. Seigneur, te bénisse au nom de Jésus. Ici, nous venons de lire, frère. On nous parle d'un peuple que Israël devrait combattre. Puisque sache une chose, frère, dans la marche avec le Seigneur, il y a plusieurs obstacles dans le chemin. Ne pense pas que tu vas marcher librement, frère. Même dans tes activités, ne pense pas que tu vas réussir, tu vas prospérer seulement comme ça. L'ennemi a aussi des pièges. L'ennemi doit tendre des pièges. Mais pour réussir à ces pièges-là, il faut avoir été avec le Seigneur avec toi. Il faut marcher avec le Seigneur avec toi. C'est-à-dire, marcher dans la crainte de l'Éternel. Est-ce que vous écoutez? J'ai vu que... Ce que je vais, c'est dans Somme 45, verset 20. Commence d'abord par 19. Pendant que nous avons dit à Somme 45. Psaume 45 n'a que 17 versets. 19 versets. Ah non, psaume 45 n'a que 17 versets. 145. Verset 19 à 20. Tu peux psaume, commencer même à 18. Psaume 145. Ok. Verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Amen. Continue. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Et il détruit tous les méchants. Voilà. L'Écriture dit que le Seigneur accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il détruit le méchant. Il garde tout ce qu'il aime. Voilà, ici nous comprenons une chose. Que l'amour de Dieu est sur celui qui craint Dieu. Puisque nous sommes dans les combats, frère. Pendant qu'il y a les combats, il faut que tu sois a priori celui qui aime Dieu. Oh, nous avons dit aimer Dieu, c'est garder les commandements de l'Éternel. L'accomplir. Amen. Amen. C'est que celui qui garde les commandements de Dieu, il est celui que Dieu aime. Puisque la faiblesse de Dieu, c'est de voir la parole dans son enfant. C'est que quand Dieu la parole en toi, Dieu voit la parole en toi, il est faible. Que le premier combat que tu dois vaincre, hein, c'est de vivre dans la parole. C'est de marcher conforme à la parole. Bien aimé, je t'informe. Ceci. Pour accomplir la parole de Dieu, c'est pas facile. C'est tout un combat. Puisque l'ennemi sait que tu vas accomplir la parole de Dieu, le Seigneur sera à ton côté. Le Seigneur sera pour toi, pour te défendre. Puisque quand toi tu vas abandonner la parole et que tu ne l'accompliras pas, tu seras faible. Puisque la loi de l'Éternel a dit, Dieu a dit qu'il va sécuriser ceux qui gardent la parole.
C'est pourquoi nous avons vu ici Israël, Israël qui était un grand peuple. Qui devrait passer dans les chemins. Nous comprenons ici que dans les chemins de retour pour Canaan, puisque Israël était venu de Canaan, il devrait retourner en Canaan. Comme nous aussi, nous sommes venus de l'éternité et nous retournerons. Amen. On est venus du ciel, nous retournerons. Ici, nous sommes que dans les passages. Comme des passages, nous sommes des passages. Comme le Seigneur lui-même l'a confirmé. Mais il y a des obstacles dans le chemin. L'obstacle dans le chemin, c'est quoi? C'est le piège de l'ennemi. Alors nous avons vu ceci, que le combat qu'Israël devait combattre était un peuple qui était haï. Avoir comme ça, quand Josué a envoyé, les gens pour aller explorer le pays. Les gens qui sont partis explorer le pays, aller-retour, ils ont dit à Josué, inutile de faire fatiguer tous ces peuples si pour marcher pour mieux vaut 2000 ou 3000 hommes seulement. Nous allons battre Haïr en un moment, c'est tout. Mais ils ne savaient pas qu'avant de battre l'ennemi, il faut être conformité avec Dieu. Et c'est en relation parfaite avec le Seigneur. C'est pourquoi nous avons vu. Quand ils ont envoyé ce petit groupe de 2000-3000 hommes devant Haï qui était un petit peuple. Comme ce peuple-là, parmi eux, dans des enfants d'Israël, il y avait un qui avait abandonné la loi de l'Éternel, qui a amené, c'est-à-dire, il a pris quelque chose d'interdit. En parlant d'interdit, ça veut dire tout simplement du péché. Et si vous comprenez ici, c'est qu'il y avait un homme qui avait péché, qui était parmi eux. Oh, pour combattre et vaincre, il faut être pire, puisque la pureté, c'est ce qui fera la force. Mais nous voyons que, comme un parmi eux, qui s'appelait Akan, il avait pris les choses interdites. Ce que l'Éternel n'avait pas permis. Pendant les combats, quand il devait combattre, il devait dévouer tout à l'interdit. Sans prendre aucune chose. Mais lui a envié les choses qui étaient pressées par rapport à lui. Mais selon Dieu, cela n'était pas pressé. Et si vous comprenez, c'est pourquoi un enfant de Dieu aussi, quand tu marches dans ce monde, faites attention, n'aie pas la manière d'envier les choses du monde. Jésus dit que le monde et toutes ces choses passeront. On nous dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand tu ne cherches pas premièrement le royaume et la justice de Dieu, mais tu as vu le monde en marchant non conforme à la parole, tu seras faible dans les combats. Et l'ennemi sera toujours prêt pour t'écraser. Est-ce que vous comprenez ça? Alors nous voyons l'exemple ici. Comme Akan avait pris les choses vouées à l'interdit, il les a pris, il les a cachées dans sa maison. Il a enterré cet homme. La défaite devrait être pas. La défaite devrait être là. Et on a vu que quand ces peuples sont allés dans le combat, ils ont pris la fuite devant un petit peuple. On a tué les gens parmi eux. La défaite était certaine. Mais ceux qui sont rentrés, on dit, mais Josué dit, ils ont fui devant Haï. On a tué le peuple. Josué a déchiré ses vêtements. Il est tombé par terre. Il a pleuré, il a demandé à l'Éternel. Pourquoi tout ça? Haï est petit peuple. Comment nous devons fuir devant Haï? L'Éternel dit à Josué, Josué, calme-toi. Relève-toi. Le peuple a péché. Comme ils ont péché, ils ne peuvent pas résister devant l'ennemi. C'est pourquoi ce soir, je vais te dire, frère, quand tu marches, s'il y a quelque chose d'interdit en toi, sache que tu seras faible devant l'ennemi. L'ennemi
l'ennemi va te poursuivre toujours. Est-ce que vous comprenez ici? L'ennemi va te poursuivre. Oh, qu'est-ce que l'ennemi va te poursuivre à toi? C'est que l'ennemi voit sa chose à toi. Mais le Seigneur Jésus dit ceci. Le prince de ce monde arrive. Mais il n'y a rien de lui à moi. Ah, c'est que avant que l'ennemi puisse trouver quelque chose à toi, c'est que tu as pris ça. C'est que l'ennemi aura part avec toi. Puisque tu as son histoire. Nous prenons encore une autre illustration. Nous voyons Jacob. Quand Jacob est sorti de la maison de Laban avec ses femmes, il devrait partir. Mais Rachel, la femme de Jacob, Rachel, moi, a pris les théraphimes de son père. Elle est partie avec ça. Laban, regardant, voyant que ces théraphimes étaient partis, il devrait poursuivre Jacob. Est-ce que vous comprenez ça? Il devrait poursuivre Jacob. Pourquoi? Puisque Rachel a pris ses dieux, ses théraphimes. Peut-être dans ta maison, tu as quelque chose de tel. Peut-être dans ton travail, tu voles. Peut-être dans ton mariage, tu fais quelque chose qui est interdit. Sache que tu seras faible devant l'ennemi. L'ennemi va te vaincre. Ce sont des réalités, frère. Mais quand on a demandé, fallait vérifier parmi le peuple. Tous devaient passer devant l'Éternel. L'Éternel a devoir être testé à quand? On demande à quand? Qu'est-ce que tu as pris? Il dit, il a pris de l'or, des manteaux, il a pris ce qu'il voyait de précieux. On dit, où est-ce que tu l'as? Il a dit, je l'ai caché dans ma maison. Comme il a fait ça, il devait être détruit. Afin que la pureté soit dans les camps. C'est que Dieu dit qu'il fallait purifier les camps. Or, un enfant de Dieu, il faut observer aussi comment tu y es. Essaye un peu de te purifier. C'est-à-dire de te sanctifier par rapport à la parole. Que l'ennemi ne trouve pas son bien à toi. Le Dieu de l'ennemi, c'est quoi? C'est la vie du péché. Bien aimé, Monguna linga amone lokone kate. Nous avons vécu ça dans les délivrances que nous faisons. On a vécu beaucoup de choses dans des délivrances. C'est pourquoi, frère, ici, nous parlons de réalité du combat spirituel. Sache que le combat est réel. On nous dit que l'ennemi rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. C'est que l'ennemi peut venir, frère. Le pouvoir religieux. Oh, nous parlons ici par des faux prophètes. L'ennemi peut introduire un mauvais enseignement, un faux enseignement. Quand tu prends le faux enseignement, automatiquement tu t'écartes de la voix du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ici? C'est ce qui s'est fait dans le désert. Quand Balaam est venu, mais il a dit qu'on puisse se marier avec les Moabites, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants et tous ces gens l'ont amené la colère du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ici? C'est qu'elle a fait tout simplement de se prostituer avec les Moabites. Ça a amené la colère du Seigneur. C'est pour dire qu'un enfant de Dieu, quand tu es là, la fille du Seigneur, marche dans la sanctification. Amen. Amen. Marche dans la sanctification. Un frère marche dans la sanctification. Quand le temps de te marier n'est pas encore arrivé, évite de faire l'impudicité. Ça va attirer la colère du Seigneur. Et l'ennemi aura la main sur toi. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Ce que je te dis, c'est la réalité.
L'ennemi entre là où il trouve une porte et tu es ouvert. Quand tu ouvres une porte, la porte que tu peux ouvrir, c'est quoi? Le mensonge, c'est une porte. Tu marches avec les mensonges. L'ennemi t'atteindra. Tu dirais que le mensonge est en lui. C'est que le mensonge qui est en toi. Ah, tu as dit ça où? Mais le père des maçons, c'est le diable. Il va te poursuivre, frère. Mais quand tu viens te cacher dans le Seigneur, conforme-toi dans la parole. Amen. Amen. Purifie-toi. C'est-à-dire, par la répentance. C'est pourquoi un enfant de Dieu a fait une répentance sincère. Nous avons dit déjà, frère. Mais qui a été baptisé? Mais n'ayant pas fait la repentance sincère, l'ennemi l'a poursuivi jusque là. Il dit, mais comment il est venu ici? Lui, il est le nôtre. On dit comment? Mais il garde encore le bien qu'il a eu là. On dit, c'est quoi? C'était des fœtus qu'il avait vus. Pendant qu'il était encore païen. Mais en venant dans le Seigneur, il n'avait pas confessé cela. Oh, quand on quitte là-bas, pour traverser, il faut que la délivrance se fasse. Et c'est vous comprenez? Quand tu ne fais pas une confession sincère, l'ennemi, va t'atteindre. Dans les mariages, qui est en train de tricher, le frère ou la sœur, qui est en train de tricher, c'est une porte qu'elle a ouverte. L'ennemi va t'atteindre. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il faut faire une repentance sincère. Il y a des hommes comme ça, qui n'ont pas fait de repentance sincère. Ici, dans les cas du mariage, je te dis que le frère qui triche, il faut confesser devant ta femme. En venant chez le pasteur, oui, mais ta femme, puisque tu as offensé ta femme, la sœur aussi vis-à-vis de l'homme, mais accepte qu'on puisse te gifler, mais l'essentiel que tu as dit la vérité. Amen. C'est que tu as confessé la vérité. Et le Seigneur va te défendre. Mais si tu marches à côté, frère, c'est une porte que tu as ouverte. L'ennemi viendra t'atteindre. C'est un petit témoignage que je donne. Moi, j'aime donner les témoignages quand je prêche, puisque ce sont des expériences que j'ai acquises avec le Seigneur. Dans la marche avec le Seigneur, je dis, il faut vivre beaucoup de choses pour savoir que le Seigneur est avec toi. L'un des jours, c'était à Chikapa. Pendant que je faisais mes activités, je suis sorti, mon épouse, la sœur Nicole, connaît ça bien. Là où nous étions, mon voisin le plus proche, c'était un pasteur. D'un groupe de prière. Alors, bongo, sa petite sœur qui était mariée quelque part, elle est venue habiter avec son grand frère, puisque son mari était parti en voyage. Alors, pendant qu'ils étaient pendant la journée, moi je n'étais pas là. J'étais sorti faire mes activités. Et j'ai fait un petit crochet à la maison pour voir si la sœur a préparé afin que je puisse prendre quelque chose. Puisque c'était à midi. Et le caractère, ce caractère là qu'on mangeait chaque fois à midi, actuellement c'est difficile. C'est peut-être pour ceux qui ont assez de moyens. Mais avec le temps, à midi au dîner, allez, je suis rentré à la maison. Arrivé à la maison, je trouve là-bas les gens entourés. Il y avait beaucoup de gens là-bas. Je suis entré dans la maison. La femme m'a poursuivi là-bas. Papa. Viens. La petite sœur du pasteur est tombée. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu, on ne sait pas, ils étaient en train de jouer le jeu de 6 là-bas avec sa belle-sœur. Subitement, elle est tombée. Elle est morte. Je dis, mais c'est pas possible. Elle est morte. On dit, viens d'abord, viens.
Moi, je suis entré là-bas. Je regarde et j'ai vu la fille là étalée par terre. Elle ne bougeait pas. J'ai demandé à sa belle-sœur qui était là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas aussi. On était en train de jouer avec elle, le G6. Mais subitement, elle est tombée. Là, c'est écrit comme ça, elle est tombée. J'ai dit, oh, bon, c'est ça. Et qu'est-ce que vous avez fait? Oh, je n'ai rien à faire puisque le pasteur n'est pas là. Attends, tu es là. Tu dois faire quelque chose. Allez, j'ai dit aux gens qui étaient là-bas. Sortez de la maison, sortez tous. Je suis resté qu'avec sa belle-sœur. Avec mon épouse. Je dis, bon, on va prier le Seigneur. On va voir ce qui va passer ici. Si c'était un esprit mauvais, le Seigneur va le délivrer. J'ai entonné un cantique. On a commencé à chanter. Dès qu'on a commencé à chanter, les cantiques étaient inspirés. Quand j'ai commencé seulement à prier, j'ai dit, Seigneur, donne-moi un signe qui montre que la vie est là. Je veux qu'elle bouge tout simplement. Dès que j'ai commencé à prier pour la fille, elle a commencé à bouger. J'ai dit, voilà, comme tu es là, ce qui t'empêche de vivre va sortir. J'ai chassé l'esprit qui était en elle. J'ai demandé c'est quel esprit. On dit que c'est l'esprit de mort. L'esprit de mort est venu comment? Non, vous voyez, cette femme ici, elle, pendant qu'elle est chez son mari, elle se comporte mal. Et en plus de ça, elle aime beaucoup manger de poulet. Quand elle prépare, l'odeur là arrive chez nous. Alors ça crée la jalousie à nous. Je dis, tiens, comment ça? Le fait de préparer seulement, ça crée la jalousie. Ouais, il faut le savoir aussi. Ne pense pas que quand tu marches là, quand tu t'habilles bien là, tous ceux qui te regardent, te regardent avec net d'amour. Non! Faites attention, frère. Alors j'ai chassé l'esprit qui était là. J'ai menacé l'esprit, allez quitter. Vous devez libérer cette fille. Ça a poussé un grand cri. La fille l'a roulé comme un tonneau. Moi, je t'assure. Vraiment, je n'ai jamais vu une personne rouler comme un tonneau. Vous voyez comment on roule le tonneau. Ça va vite rouler. Ça va de ce côté, ça rentre. Ça roule comme ça. Je le poursuivre toujours. Allez, quittez. Quittez au nom de Jésus. Et puis, il a crié. Je ne sais pas. Tout est crié. Cela est sorti. Et la fille a retrouvé la vie. Je l'ai appelé de son nom. Elle s'est réveillée. Je dis, lève-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit que j'étais ici avec, avec ma belle-sœur. On jouait. Mais j'ai vu subitement une personne venir et m'a prise. Elle est partie avec moi. Dit que je vais te tuer. Tu vas voir. Alors, je n'ai pas compris. C'est maintenant que je suis réveillé, je te vois. Qu'est-ce que l'ennemi a poursuivi? L'ennemi l'a attaqué. Puisqu'elle avait désobéi aussi à la loi de l'Éternel. Puisqu'elle se disait chrétienne. C'est pourquoi je te dis qu'un chrétien, ce n'est pas des noms. Le chrétien, c'est des vues. Amen. Amen. On est chrétien. Hein? Quand on vit la parole de Christ, sache que l'ennemi rôde tout autour de toi. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. L'ennemi rôde tout autour de toi. Comme un lion rugissant. Vous voyez ici comment l'ennemi atteint ce peuple d'Israël. Puisque l'un d'eux avait pris quelque chose qui était interdit. C'est-à-dire, la vie du péché, ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Quand vous vous habillez avec le Seigneur, le Seigneur ne sera pas avec vous. Mais l'Écriture dit ceci dans Somme 10, que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. Amen. Amen. C'est que l'Éternel regarde ses enfants. C'est que quand tu marches, le Seigneur est avec toi. Il te regarde. Bien-aimé, tu peux cacher les péchés devant tes frères, mais pas devant Dieu. Amen. Amen. Père,
personne ne peut se cacher devant Dieu. Le Dieu, celui qui sonde le cœur et le cœur. Il voit toutes les choses. Bien aimé, je t'informe que Daniel, Meshach et Shadrach Abednego, si ils ne craignaient pas Dieu, ils devraient mourir. Dans la fosse au lion, ils devraient mourir. Daniel devrait mourir. Mais comme il craignait Dieu, le Seigneur l'a rendu comme un lion. Est-ce que vous comprenez ici? Oh, bien aimé, les lions devant les lions ne peuvent pas se manger. Oh, nous aussi. Oh, notre Père, c'est un lion. Nous sommes aussi des lionceaux. Amen. Amen. C'est que dans le combat, il faut avoir l'esprit de lion. C'est alors que tu vas vaincre. C'est que l'ennemi n'aura pas le dessus sur toi. Pourquoi? Puisque avec Dieu, tu as vaincu. Automatiquement, tu dois vaincre aussi là-bas. Comment tu as vaincu devant Dieu? En gardant la parole. En marchant dans la sanctification. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Lève-nous, nous allons prier le Seigneur. Je veux que les bien-aimés puissent nous accompagner dans la prière. Puisque la foi nous dérange un peu. Nous allons tous prier le Seigneur parce qu'il y a un message fort. Le message fort est que ce qu'on a vu que Zalina est loco et à Satana. Il faut que tu commences à faire des choses. Seigneur, il y a quelque chose que je possède qui ne m'appartient pas. Il y a quelque chose que j'ai en moi qui ne t'appartient pas non plus. Yo, basombe la ou ba portable, basombe la ou ba sous-vêtements, ba bilamba, ba foutre la ou ba...